Christ, a burning, cleansing flame. Send the fire, send the fire, send the fire. Thy blood, what gift today we claim. Oh, send the fire.
Well, let's give him praise this morning. Hallelujah. Hallelujah. Send the fire. Send the fire. Hallelujah. It said the revolution now begin. The revolution is on. The people of God are in one mind. La révolution commence maintenant. Brother, we don't care about anything else, but send the fire. Send the fire. Envoie le feu, Seigneur. Send the fire. Don't let the devil come to your mind during this service. Ne laissez pas le diable venir dans votre pensée. Send the fire. Envoie le feu. He says you got a trial going on. Vous avez une épreuve. Tais-toi, Satan. Envoie le feu. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Je suis prédestiné à l'adoption. Envoie le feu. Envoie le feu. Vous sentez-vous ainsi? Nous sommes d'une même pensée, d'un même accord. Tournez-vous vers votre frère, votre sœur et dites-lui, ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Savez-vous qui vous êtes? Salutations ce matin. Wonderful. Merveilleux. Praise God. Well, I certainly greet you this morning. Je vous salue ce matin. I'm here by the grace of God. Je suis ici par la grâce de Dieu. So, Brother
Robledo and Brother Griffin. Frère Robledo et Frère Griffin. Going down this next weekend, coming up, to Brother Robledo's going to dedicate Brother Johnny Cannon's church. Ils vont aller dédicacer l'église de Frère Johnny Cannon. So, today I felt that all that's going on. Aujourd'hui, je sens que tout ce qui se passe, je veux vous donner le ton de la saison et du temps. Et j'ai demandé à Frère Stephen, il y a 3 semaines, de chanter ce chant pour moi. Seigneur, envoie le feu. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne reste rien d'autre que le feu à venir. Amen. And last week, last weekend, et le week-end passé, nous avons eu une retraite. Est-ce que vous avez apprécié la retraite? Amen. Tout ce qui a eu, les réunions, les musiciens, les chants, les concerts et tout. Maintenant, priez pour moi et tous les témoignages. C'était un temps rude et je n'ai pas pu faire grand-chose hier soir. Je ne sais pas combien de temps. Et ma pression sanguine et tout, mais je suis ici pour donner le message. Gloire à Dieu. Ainsi, priez pour moi. Je ne vais pas traîner trop longtemps. Et j'aimerais attirer votre attention. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Louange à son merveilleux nom. Maintenant, je me sens bien. Alléluia. Savez-vous qu'il est ici? Le feu dont il a chanté est ici maintenant. Il vient d'entrer. Glory to God, amen. Okay, I invite your attention. J'invite votre attention. Amen. I don't know whether I'm going to follow these notes or what. Je ne sais pas si je vais suivre ces notes. Peut-être 15 minutes et puis. Yes, sir. But I would leave something here. The Holy Ghost, of course. Je vais laisser quelque chose ici. Le Saint-Esprit, je ne vais pas vous laisser seul. Amen. He'll send the Comforter. Amen. Il va envoyer le Consolateur. Praise God. Gloire à Dieu. I like to read from Psalms 105, dans le psaume 105, verset 17, Saint Jean 17, verse 18, et Saint Matthieu 5, 48. I'm reading from Psalms 105, psaume 105, verset 17. He sent a man before them, even Joseph, il envoya un homme devant eux, Joseph, fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les fers. Son âme entra dans les fers jusqu'au temps où arriva sa parole. La parole de l'Éternel l'éprouva. Avez-vous saisi cela? Jusqu'au temps où sa parole arriva. Maintenant, quelle était sa parole? Sa parole, c'était que ses frères et que tous allaient s'incliner devant lui et lui obéir et qu'il allait être élevé. C'était sa parole. Et comment Dieu allait le faire? Il ne savait pas. Spécialement lorsqu'il fut jeté dans la fosse et dans la prison, alors ses frères le haïssaient et tout le reste. Vous pensez que vous pouvez traverser cela? Allez dans l'affection fraternelle et laissez tomber tout ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que c'est ce qui est arrivé la semaine passée? My, well, I better leave it alone. Amen.
Je vais mieux de laisser ça tranquille. Gloire à Dieu. Même Joseph, jusqu'à ce que sa parole vienne. Verset. Jusqu'au temps où sa parole arriva, la parole de l'Éternel l'éprouva. Je me souviens 1964, Jacob Grace, Joseph Perfection. Et je pensais recevoir Joseph Perfection en 1964, et c'était ma parole, peut-être je vais le rendre clair pour vous. Mais jusqu'au temps où ma parole arrive, j'ai été éprouvé par la parole du prophète. Non, non, vous ne me saisissez pas. Si vous ne le dites pas, alors vous vous attendez peut-être à rien aujourd'hui. Parce que vous ne connaissez pas votre parole. Votre parole est Joseph Perfection. Les gens à l'extérieur ne savent pas ça. Dans le message. Mais c'est votre parole. 24 heures par jour, vous devriez attendre que votre parole vienne. Vous devriez être dans la prière, la consécration. Les épreuves ne signifient rien pour moi. Ma parole vient. L'arche vient sur la route. Et je vais commencer à pousser des cris, à danser. Je ne comprends pas. Oh là là. Il envoya un homme, Joseph, jusqu'au temps où arriva sa parole, la parole de l'Éternel éprouva. Le roi envoya, il le mit en liberté. Le roi, il vient pour nous libérer, ne comprenez-vous pas? Le roi, Jésus, la dynamique, le Saint-Esprit lui-même vient pour vous libérer. Le dominateur des peuples le relâcha. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur toutes ses possessions pour lier ses princes à son plaisir et pour enseigner la sagesse à ses anciens. Oh, gloire à Dieu. Saint Jean. Amen. Oh là là. Les gens ne savent pas ce dont on parle. Saint Jean 17-18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ainsi comme Jésus l'a fait. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour eux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, est-ce que Jésus a prié pour vous? Il a dit là, ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous croyons. Ainsi, il a prié pour nous. Jésus lui-même a prié pour vous. Ainsi, quel est votre problème? Dieu lui-même a prié pour moi. Avant même que je naisse. Oh là là. Quelle est sa prière afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi? Afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée au temps passé, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Il ne l'avait pas encore donné, mais il le dit. Et il devait encore aller dans la chambre haute. Et il vous l'a déjà donné aussi. Seigneur, envoie le feu.
Oh, gloire à Dieu. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et Saint Matthieu 5:48, sachant que c'est le dernier âge, le dernier temps, et le Saint-Esprit s'est déjà déversé la semaine passée, l'affection fraternelle en général. Que reste-t-il pour nous? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Courbons la tête. Notre Père céleste, Seigneur Dieu, nous te remercions de nous rassembler comme un, Seigneur, la fin de ces 10 jours de vendredi passé, comme dans la chambre haute, pourrait-on dire, qu'ils puissent saisir la foi. Je sens comme des doutes et de l'incrédulité ici, Seigneur, qu'ils ne croient pas ou quelque chose. Puisses-tu envoyer le feu, Seigneur, pour brûler ces démons hors d'ici. Oh Dieu, aide-moi maintenant, mon dos, Seigneur, et mes jambes. Donne-moi de la force pour me tenir ici et donner ce message. Gloire à Dieu. Afin qu'ils saisissent la foi et qu'ils croient. Et alors que je prononce ces paroles, que le Saint-Esprit tombe sur eux. Souviens-toi de Jim Ragland dans la prière et qu'il soit guéri rapidement, Seigneur. Comme le petit garçon McIntyre et les autres qui ont besoin de prière. Que la puissance de Dieu sorte, mon Dieu, et les guérisse, Seigneur. Et Père, nous prions aujourd'hui qu'il y ait un puissant déversement du Saint-Esprit sur les gens. Je ne sais pas à quoi d'autre m'attendre. C'est tout ce que je cherche, Père. Le feu, le feu, le feu. Fuego. Maintenant, fortifie-moi, Seigneur. Et sois avec nous. Et ouais, les ministres après moi. Ouais, les gens, les diacres, les huissiers. Que le feu, Seigneur, soit dans le vestibule. Et touche ma chère épouse, Seigneur, et fortifie-la. Gloire à Dieu. Que le feu de Dieu soit sur elle maintenant. Et souviens-toi de Joanne demain, dans cette grande épreuve demain, Père. Et puisses-tu descendre pour te tenir à côté d'elle comme son avocat. Puisses-tu faire tourner ce cas. Et qu'elle ne soit pas nerveuse en sachant que tu es là avec elle, Seigneur. Et que cela se tourne en sa faveur. Et bénis les petits-enfants. Maintenant, Père, bénis la lecture de ta parole et l'écoute dans nos oreilles, dans notre cœur. Ou à moi, et donne-moi la force pour me tenir ici. Nous prions et demandons la bénédiction. Dans le nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Oh, praise God. Gloire à Dieu. Amen. Frère Norman, j'ai un titre, la manifestation de Joseph Perfection, la parole pierre de fait. Ce tableau est ici. Je voulais qu'il soit un peu différent, mais cela pourrait vous rendre confus, donc je vais le laisser comme il l'est. Mon sujet. Donc le titre, c'est la manifestation. Maintenant, nous sommes trouvés sous la révélation. Mais la manifestation de Joseph Perfection, la parole pierre de fait. Et mon sujet, Joseph Perfection manifesté est le reflet de Jésus-Christ. Quand vous le voyez manifesté, alors vous verrez le reflet de Jésus-Christ sur la terre, à nouveau, depuis le départ du prophète et jusqu'aux apôtres. Maintenant, est-ce que ça ne crée pas quelque chose à l'intérieur pour me tirer, Seigneur? Gloire à Dieu. Mon inspiration, le reflet, est la perfection
à laquelle nous devons arriver pour la résurrection. Maintenant, je suis fier d'annoncer que le 24 octobre sera le jour où Frère Kevin et Sœur Mary ont choisi pour se marier. Que Dieu te bénisse, mon frère et Sœur Mary, ils seront mariés le 24 octobre, si le Seigneur tarde. Frère Kevin, si l'enlèvement se passe, je ne serai pas là. Et toi non plus, bien sûr. Ainsi, certainement, nous remercions Dieu pour la puissante victoire à York, en Pennsylvanie. Peut-être que ça vous secoue. Amen. Do you remember the dream? Souvenez-vous le songe? En 1996, comment l'ange a dit, je vous apporte une nouvelle du Tout-Puissant, vous vous souvenez de cela? L'ange qui a reçu la commission pour votre guérison, elle s'inquiétait au sujet de la commission, j'avais dit dans la ligne de prière le 7 avril, il sait où vous vivez, il va passer dans votre voisinage. Alors elle a eu un songe, et pendant tout un an, elle a essayé de comprendre, et elle a découvert. L'ange qui a reçu la commission pour ta guérison, a été envoyé, mais il a dû s'arrêter à York, pour combattre une puissante bataille pour les racheter. Ainsi, je crois que cet ange était là, à York, en Pennsylvanie, le week-end passé, et il a combattu une puissante bataille. Les chanteurs de Chronique 20, des embûches ont été placées contre les esprits. Et frère Bellomo n'a rien manqué, il est venu et alors le Saint-Esprit est descendu. Michael avait enlevé toutes les rancœurs et tous les sentiments et tout ce qu'il y avait. Voilà ce qui est arrivé. L'amour est descendu. Et vous ne le savez même pas. Amen. Et le matin suivant, la même chose est arrivée là. La cantate, ils ont chanté Sœur Yvette, Via Dolorosa. Et tous ceux qui ont chanté, tout ceci fait partie de la victoire. Dimanche, samedi matin, c'était la victoire. C'était le temps de la danse à l'Anasis. Noma. Et Jonathan a prêché. Et ils ont chanté. Et nous devrions être ainsi maintenant. Parce que Michael l'archange a repris tous ses esprits et il vous a mis en feu. Croyez-vous cela? Et frère Jonathan vous a dit que les épreuves, les tribulations qui vous sont données, ce qui est permis par Dieu, Dieu vous aime d'autant plus, sinon il ne vous les donnerait pas. Il a confiance. Il vous fait confiance. Tu vois, mon serviteur à New York, il permet au diable d'envoyer toutes sortes de démons à New York et à Pennsylvanie parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Il a parlé au travers du prophète. Souvenez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York. Pourquoi? Job, son serviteur est là. Gloire à Dieu. Il savait qu'un jour, nous allions supporter notre épreuve au point de crier, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et dans ma chair, je verrai Dieu, et je le connaîtrai pour moi-même,
et pas un autre. Hallelujah, brother Ricard. Alléluia, frère Ricard. Hallelujah, glory. You ought to know for yourself. Vous devez le savoir pour vous-même. Oh my, what a victory in York, PA. Quelle victoire à York, Amen. En Pennsylvanie. Glory. Praise God, amen. We appreciate that. Nous apprécions cela. Amen. Now you know what happened? Maintenant, vous savez ce qui est arrivé. What happened last week? La semaine passée. Oh, now you may sit. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je peux prêcher. Amen. Now that you know. Maintenant que vous savez. Praise God. So you'll understand. Et si vous allez comprendre, 1974, et de certains y aient compassion, down. À New York, le 9 juin, une onction spéciale. Et puis je suis allé en Géorgie, et beaucoup n'étaient même pas nés parmi vous. Et voyez-vous, ceci devait revenir encore une fois. Comprenez-vous? Et voilà ce qui est arrivé la semaine passée. And it had already happened a short, quick time in PA. Et c'est déjà arrivé rapidement en Pennsylvanie. Et frère Paul avait prophétisé en Pennsylvanie. Il avait dit, avant d'arriver à Harrisburg, quelque chose va arriver ici. Et frère Paul était venu avec mal à la gorge. Il pouvait à peine parler. Et je regardais. Puis il parlait. Il suivait l'inspiration de « Suis-moi ». Et il a chanté, il a prêché là où il me conduit, je le suivrai. Et puis il est entré. Et l'amour est descendu à Pennsylvanie. Vous y voilà. C'est arrivé le dimanche des rameaux. Et il est venu. Hosanna! Hosanna! Au plus haut. Il est déjà venu en Pennsylvanie. Et il est revenu le dimanche de Pâques. Oh, gloire à Dieu. Je veux dire, est-ce que vous manquez les choses spirituelles? Vous ne le saisiez pas ou quoi? Et frère Bill Raglan, la voix de Paul n'était pas en état. Il a chanté et puis l'amour s'est répandu. Et puis il est venu comme frère Belmo. Et il n'a rien manqué. Et le Saint-Esprit a continué de se déverser. Et nous remercions Dieu pour ces hommes. Ces dons. Hallelujah. Glory. So we indeed thank God, maybe see ainsi nous remercions certainement Dieu pour tout ce qu'il a fait pour now nous. We can look for charity and the healings maintenant nous attendons à la charité et que les guérisons commencent. Manifestation de Joseph Perfection, la parole pierre de fait. Malachi 4 a donné Joseph comme exemple, un type parfait de Christ. Numéro 1. Tout d'abord, il a dû être rasé, vous savez, dans Paul le prisonnier, si vous lisez le message, comment il était en prison, qu'il avait une barbe et tout, il a dû être rasé. Et frère Branham a fait le type de nous-mêmes étant rasé de toutes nos idées, désirs et de tout le reste, nos ambitions et ressentiments, tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout cela doit être rasé. Voilà pourquoi dimanche passé, c'était pour laisser tomber toutes ces choses afin que Dieu puisse vous remplir aujourd'hui. Comprenez-vous maintenant? Regardez ce que Dieu fait. Le plus grand problème, depuis que je prêche, c'est lorsque vous parlez sous l'onction. Les gens s'attendent à le voir ce jour-là. Et c'est le problème avec vous tous. Aujourd'hui, maintenant, vous dites, ça va être ici, et vous êtes censé vous y attendre, mais vous êtes ici pour une bénédiction. C'est ce que vous êtes censé faire. Et si ça ne vient pas, vous ne sortez pas. Mais gloire à Dieu! Et quelle réunion c'était! C'est ça votre problème!
Je suis censé, les ministres sont censés prêcher comme aujourd'hui. Nous devons, parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Nous ne pouvons pas faire autrement. Alors nous avons des gens là. Eh bien, rien n'est arrivé. Il n'y a rien qui se passe là. Mais quelque chose s'est passé. Parce que nous marchons autour de Jéricho. Quelque chose est en train d'arriver pendant 7 jours. Premier jour, ils n'ont rien vu arriver. Deuxième jour, rien n'est arrivé. Mais quelque chose arrivait. Dieu était en train de faire une œuvre à l'intérieur. La foi, la vertu. Le troisième jour, la connaissance. Quatrième jour, gloire à Dieu, la tempérance. Le cinquième jour, la patience. Et vous ne l'avez pas encore vu, n'est-ce pas? Mais c'est en vous. Le sixième jour, la piété. Le septième jour, l'affection fraternelle. Et alors le septième jour, 7 fois. Et à la fin, la charité est descendue. Criez! Dites-moi que rien ne se passe. Nous marchons autour de Jéricho. Et les murailles vont s'écrouler. Et chaque muraille de votre cœur va s'écrouler. Si vous croyez ce message. Mais c'est votre problème. Le diable va vous montrer des choses à l'esprit. Et rien ne se passe. Ainsi, cessez de regarder, mais croyez dans votre cœur. Voilà ce qui se passe. Regardez, regardez, regardez. Entrez dans l'esprit. Gloire à Dieu. Vous avez saisi maintenant. Et le Saint-Esprit, le capitaine de l'armée, a parlé à Josué, c'est un type du Saint-Esprit. Il n'a pas dit aux ministres ce qu'il fallait faire. Comprenez-vous ce que je dis? Les ministres, dans le message, il ne leur fut pas dit ce qu'il fallait faire. Je veux dire, quel jour ou rien. Il leur fut dit simplement les 7 sauts, les 7 tonnerres, voilà tout. Mais à New York City, il nous fut dit que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Ainsi, nous savons quoi attendre et comment. Et nous savons à peu près le temps où ça va venir. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, premièrement, vous deviez être rasé. Le Saint-Esprit ne pouvait pas tomber sur vous avec des choses dans votre cœur, des rancœurs, des rancunes. Gloire à Dieu. Vous comprenez maintenant? Ainsi, ne dites pas, je n'ai pas eu le Saint-Esprit la semaine passée. Quelque chose est arrivé la semaine passée. Amen. Numéro 2. Alors après avoir été rasé, il a reçu toute la puissance et l'autorité. Voyez-vous ce qui se passe? Ça se pourrait être aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à partir de maintenant, c'est tout ce que je cherche. Tout ce que je veux, c'est le feu, le feu, le feu. Et quiconque sera prêt est prêt. Mais prêt ou pas, je viens. Je ne peux pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se lève et décide de venir, il vient et personne ne peut l'arrêter. Aucune incrédulité, aucun démon, rien. Pas, je pense que ne peut empêcher le feu de descendre. Amen. En parlant de Joseph, vous pouvez vous asseoir. I'm tired. Amen. Je suis fatigué. Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. En parlant de Joseph, numéro 1, un type parfait de Christ. Numéro 2, Joseph représentait la perfection. Numéro 3, Joseph représentait la parole pierre de fait. Numéro 4, Joseph représentait la parole
la quatrième lumière sur la parole, la restauration de l'arbre épouse. En d'autres mots, Abraham, l'élection, Isaac était l'appel et Jacob la grâce et Joseph était la perfection, la pierre de fête. Je l'ai ici dans le paradoxe. Regardez ces quatre patriarches, Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. Abraham, l'appel, Isaac, l'élection. Abraham, Isaac, Jacob, grâce, Joseph, perfection. Il n'y a rien contre lui. Avez-vous saisi cela? Lorsque vous arrivez à Joseph, il n'y a rien contre vous. Parce que le livre de la rédemption sort. Au travers des âges, les pentecôtistes, mais lorsque ce prophète a libéré ce message de Thanksgiving, où te tiens-tu, petite épouse, en ce soir de Thanksgiving? Tu te tiens la parfaite. Le sang, gloire à Dieu, l'agent blanchissant a fait disparaître toute tache, tout péché de vous. C'est là où vous vous tenez. Ainsi donc, Joseph perfection, la parole, que peut-il y avoir contre nous, cette semence, Dieu, en vous, et il n'y a rien contre cette semence-là. Il n'y a rien contre la semence en vous. Ainsi, peu importe ce que dit la tête, il va vous montrer toutes sortes d'imaginations et tout le reste. Oubliez ça. C'est la bataille. C'est votre bataille. De croire. Le jour de Pentecôtiste, la restauration des dons. Et maintenant, nous sommes vraiment dans la minorité. Le Fils de Dieu. Ici, ils vivaient par la foi. Ils poussaient des cris sur la sanctification. Ils ont parlé en langue, les dons, le négatif et le positif. La croix vient sur la pyramide. Et c'est au temps de la fin. Lorsque Christ et son Église sont tellement semblables au point où ils vont faire sortir les morts de tous les méthodistes, les autres. Et après, il y aura une résurrection. Quand? Lorsque Christ et son Église deviendront un. Lorsque le ministère de Jésus-Christ sera dans son Église. Et que tous les membres auront ces ailes d'aigle adoptées. Alors, il y aura une résurrection. Voilà pourquoi nous travaillons. Voilà ce dont nous parlons. Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Ainsi nous y voilà. Maintenant, de quoi parlez-vous, frère Coleman, cette parole pierre de fête, le Saint-Esprit lui-même, la dynamique? Qu'est-ce que c'est? Christ venant vers son corps. Christ est la parole. Nous savons tous que l'onction, c'est Christ qui vient sur la parole, qui fait vivre la parole. N'est-ce pas juste? C'est l'onction. Christ est l'onction. L'Esprit qui vient sur la parole, qui vivifie la parole pour la faire vivre. Maintenant, la parole est dans votre cœur, n'est-ce pas? La parole est dans votre cœur. Chaque parcelle. Vous croyez dans la guérison divine? Combien croient dans la guérison divine? Amen. Et quoi d'autre? Et Christ, l'onction, vient vers son corps. La connexion, comme mari et femme qui deviennent un. Maintenant, l'Église doit arriver au ministère, et voilà pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, en essayant d'arriver au ministère. Oh Dieu, nous ne l'avons pas encore atteint. Nous ne sommes pas dans la Odyssée. Regardez le tableau. Nous sommes dans ces couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le ministère. Nous sommes déjà dedans, sous forme de mécanique, de pierre qui s'ajuste. Et chaque semence qui vient est une pierre vivante qui s'ajuste ainsi. Ainsi, nous ne sommes pas dans la Odyssée. Nous sommes entre la Odyssée et L-O-V-E, l'amour, le corps physique, dans l'enlèvement.
J'allais le dire, mais je ferais aussi bien de le dire maintenant afin que vous compreniez. Vous ne savez pas. Voyez-vous où vous êtes maintenant? Ceci est l'âge de l'affection fraternelle. Juste là. À la fin. Mais la porte ouverte vient ici en 1906. Et puis les pentecôtistes. Et Élie vient à la fin. Pour réprimander cette chose, pauvre, aveugle, misérable, nu. Il a frappé à votre porte. Je veux souper avec toi. Et vous êtes sorti. Mais où êtes-vous allé? Ici. Ça devrait vous faire chaque jour remercier Dieu de ne pas être embourbé dans l'Odyssée. Vous n'êtes pas là. Peu importe ce que vous ne sentez pas, ça n'a pas rien à voir avec les sensations. Ce n'est pas une sensation, c'est Dieu tabernacle en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette semence. Comment peuvent-ils s'en aller? Pourquoi quittent-ils l'église? Je ne les ai pas inquiétés pendant 10 ans, je les ai laissés faire. Il ne devait pas y avoir de semences là. Mais où allez-vous? Les 70 sont partis. Alors Jésus a dit, voulez-vous vous en aller aussi? Seigneur, où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ainsi, où allez-vous? Des gens quittent l'église. Ils quittent ceci et ça. Mais pourquoi êtes-vous venu tout d'abord? Répondez-moi si vous pouvez. Brother, okay. All right. Très bien. You may be seated. I'll let you chew on that for a while. Je vous laisse mâcher ça un temps. I'm trying to get out of here. Amen. I think you begin to see where you are. Je crois que vous commencez à voir où vous êtes. Vous n'êtes pas dans l'Odyssée. Les pentecôtistes, c'était il y a longtemps. Mes amis, regardez. Ceci est l'âge de l'aigle. C'est l'âge de l'épouse. Il y a eu 3 appels. L'âge des martyrs, jusque-là. Et puis, les réformateurs. Depuis là, la patience. Et puis, arrivé là, et ici, Malachi 4 vous a appelé hors de là, pour vous mettre là, ici, dans l'âge des appelés hors d'eux, pour faire quoi? Dans l'unité. Les luthériens, les élus, pour former les luthériens, les élus dans l'âge luthérien ont été appelés pour former les wesleyens. Et les élus ont été appelés pour former les pentecôtistes. Et vous avez été appelés hors de la Pentecôte pour former quoi? La pierre de tête. Comprenez-vous? Vous avez été appelés pour la former. Il ne peut pas descendre ici. Malachi 4 ne peut pas revenir. C'est vous. La parole. Christ. En vous. L'espérance de la gloire. Formant la pierre de tête. Formant la pierre de fête. Et voici le sang, le baptême du Saint-Esprit venant juste là. La foi née de nouveau
au travers de là. Et ça arrive ici. Et nous prenons le message des sept sceaux des sept tonnerres. Et puis nous attendons la charité. Le Saint-Esprit lui-même venant sur notre foi. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Il ne viendra pas seulement dans votre âme, dans votre esprit, mais il va vivifier votre mécanique. Il sera partout sur vous, vous gardant vivant. Oh là là. C'est mon désir de vous montrer où vous êtes. Maintenant, la parole est dans votre cœur, l'est-elle? Croyez-vous dans la guérison divine? Oui, Christ, l'onction qui vient vers le corps. Comme mari et femme devenant un, maintenant l'Église doit arriver au ministère, je viens de vous le montrer. Au point où l'Église et Christ deviennent un, il peut vous oindre pour chaque bénédiction qui est dans la Bible. Tout vous appartient. Tout ce qui est promis pour cet âge vous appartient. Voulez-vous dire, toutes ces promesses dont frère Branham m'a parlé m'appartiennent? Toutes ces promesses de rédemption, ce petit livre, la parole parlée, les mêmes signes, prodiges, miracles, la même vie qui était dans l'épouse primitive m'appartient. Ça vous appartient lorsque l'onction vient dessus. Alors vous et Christ devenez un. L'onction et la parole qui est en vous est ointe. Alors vous devenez un Messie. Tout. Mais si nous laissons quelque chose, voilà le problème. Six sceaux, quoi que ce soit, si nous laissons quelque chose de côté et que l'onction frappe cela, eh bien alors, elle va oindre et puis... Maintenant, la colonne de feu a été identifiée scientifiquement par la réaction, par son caractère et tout le reste, tout comme elle le fut lorsqu'elle demeurait dans le corps du Fils unique de Dieu, de même, elle demeure dans le corps. Voyez-vous, ils prophétisent ici, et ils ne le savent pas. Elle demeure dans le corps de ses fils adoptés dans les derniers jours. Voyez-vous, c'est une prophétie. Et tout ce que nous faisons, c'est prophétiser ce qu'il a prophétisé pour vous garder vivant dans cette sécheresse, dans cette famine. Parce qu'Ésaïe a dit que le livre serait fermé pour tous ceux qui ne sont pas prédestinés. Ils vont courir vers les hommes instruits et il dira, le livre est scellé dans le message. Et puis, ils iront vers quelqu'un qui n'est pas si intelligent et ils diront, je ne suis pas instruit, mais vous, les prédestinés, c'est ouvert. Eh bien alors, allez vers l'ange. Oh, hallelujah. Alléluia. Nothing against him. Il n'y a rien contre lui. Okay, friends, les amis, so now we understand, just as the nous comprenons maintenant que tout comme Christ, la colonne de feu demeurait en Christ, elle demeurera en vous dans les derniers jours. Dans aller au-delà du camp, pages 19 et 20, regardez Joseph, la vie aimée par son père, haï par ses frères, parce qu'il avait des visions, il le détestait sans cause. C'était la seule cause pour laquelle il le détestait, un type parfait pour aujourd'hui. Je me souviens, un jour, en 1983, il m'appelait Joseph Perfection. Le frère m'avait téléphoné. Toi, menteur, faux prophète. Toi, Joseph Perfection. Toi, démon. J'étais assis en souriant, en entendant ces choses, vous savez. Et j'ai dit, oh frère, est-ce que c'est ce que tu ressens pour ton frère dans le ministère? Honte à toi. Et il a reclappé le téléphone. Et il a rappelé, j'étais méchant, j'étais vulgaire, j'étais plein de haine, j'aurais pas dû dire ces choses. Je dis, tout va bien frère, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Gloire au Seigneur.
Amen. Wanna? Praise God. Well, so you've been through something, huh? Vous avez traversé quelque chose, hein? Well, how many were in Fort Wayne? Combien étaient à Fort Wayne en 83? Vous vous souvenez ce qui est arrivé? Le frère prêchait sur Joseph. Et il y avait une conspiration. Frère Musgrove, nous le savions. C'est Joseph, Jésus-Christ, et la dynamique, le Saint-Esprit lui-même, tout ce qu'il pouvait trouver. Le rose de la vallée. Je suis revenu ce soir-là. Et j'ai dit, applaudissons notre frère. Quel message. Merci mon frère. Finalement, ils savent que je ne suis pas Joseph Perfection. C'est Jésus-Christ qu'il est. Ainsi, je veux te remercier, frère. Maintenant, je peux prêcher maintenant. J'ai dit, mais malgré tout, je suis Joseph, votre frère, et j'ai un message qui s'appelle Joseph Perfection. Oh, qui dites-vous que c'est? Moi, frère Bill, ils ne peuvent pas me bouleverser. J'ai fait face à tous ces démons avant la fondation du monde. Yes, sir. Amen. Okay. So now. Il haïssait parce qu'il avait des visions. Il n'avait pas de raison. Un type parfait pour aujourd'hui, exactement. L'Église à nouveau, il déteste les choses spirituelles. Vous allez le découvrir. Il déteste la vie de la parole, la pierre de fait. Il déteste quand vous dites Joseph Perfection. Et je suis vraiment désolé, mais c'est ce que nous devons prêcher en cette saison. Et le frère parle aussi de haine. C'est notre promesse, je viens de vous le montrer. Luther, Wesley, Pentecôtiste et Joseph Perfection. Ainsi, comment allez-vous contourner cela sans le dire? Hein? Vous allez devoir le prêcher et vous allez devoir être haï. Ça m'est déjà arrivé, je le sais, pendant 23 ans. Les amis, c'est né en moi le 10 novembre 1964. Jacob Grace, Joseph Perfection. Ainsi donc, je ne peux rien faire d'autre que de parler les choses que j'ai entendues dans mon cœur. Et c'était une révélation dans toutes ces années qui m'a gardé. Et un jour, je serai parfait. Gloire à Dieu. Dieu a pris ma naissance dans la Pentecôte. C'était le roi. Dieu, j'étais scellé dans le royaume éternel le 9 avril 1960. Alors Dieu l'a déplacé dans le message le 10 novembre 1964. Et j'ai commencé à prêcher la perfection. Frère Hunt était là et moi-même. Et frère Branham était en train de prêcher la perfection. Et j'ai commencé à le prêcher. Il m'avait dit 5 mois auparavant, frère Coleman, que Dieu te bénisse. Et 5 mois plus tard, il l'a fait. Il m'a donné la révélation de ce qu'il prêchait. En 1964, ainsi qu'allez-vous me dire? En 1965, mariage et divorce, un grand frère là du Texas, de quelque part, nous étions en train de parler. Certains se souviennent, j'avais prêché chasse la femme esclave en 65. Et ce frère avait prêché quelque chose au sujet d'Hagar, et frère Branham se prêchait à parler de la balle ne rite pas avec la semence. Et ce frère est allé voir frère Branham. Il a dit, frère Branham, frère Joseph Coleman de New York, il a prêché « Chasse la femme esclave ». Est-ce qu'il est hors de l'ordre? J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire au prophète? Et frère Branham a dit, non, il n'est pas hors de l'ordre. Vous tous les ministres, vous êtes censés prêcher par révélation, mais il vaut mieux que ce soit dans mon message. Hallelujah, thine glory. Oh, hallelujah. Amen. Vous y voilà les critiques. Vous y voilà ceux qui viennent. Vous êtes finis. Toutes vos malédictions vont retourner sur vous. À partir de ce jour.
Praise God. Gloire à Dieu. Okay, maybe seated. Bien, pouvez vous asseoir. Je laisse tout sortir. Yes, sir. Oui, monsieur. I know what I'm talking about. Je sais ce dont je parle. Gloire à Dieu. I know what I'm looking for. Et je sais ce que je cherche. Moving until the real thing comes. Et je ne vais pas bouger jusqu'à ce que la chose réelle vienne. Praise God. Gloire à Dieu. I'm looking for something that's just so humble and je m'attends à quelque chose qui est humble et simple au point de passer à travers vous si vous n'avez pas le signe pour l'examiner. Amen. Et aujourd'hui, je m'attends à une manifestation de Joseph Perfection. Nous avons Joseph Perfection, la parole, pierre de fait, mais je veux la voir manifestée. La manifestation de Joseph Perfection, la parole, pierre de fait, Joseph Perfection manifesté est le reflet de Jésus-Christ. Et Christ doit se refléter là, dans ce petit espace. Sinon, nous ne partirons pas. Il n'y aura pas de résurrection. Voilà pourquoi je prêche comme je le fais, que vous le croyez ou pas, je dois le prêcher. Et ceux parmi vous qui veulent venir avec moi, venez avec moi dans la maison de mon Père. Allons, venez. C'est là que je m'en vais. Ok. Élie et l'offrande de farine. Amen. Lorsque Christ et son Église sont tellement semblables au point où ils vont faire sortir les morts et tout cela, et puis il y aura une manifestation de la résurrection et dans Hébreux 11:40, seul le ministère de l'épouse de Christ peut saisir la pierre de fait. Je viens de saisir quelque chose là ici. Ceci est la pierre de fait. La pierre de tête, Jésus-Christ. Nous serons dans une autre dimension, dans les airs, dans la résurrection, lorsque Frère Branham va indiquer, voici l'agneau de Dieu. C'est lui. Son corps physique est assis comme mémorial. Mais il envoie son esprit dans le prophète. Est-ce que c'est correct, le Fils de l'homme? Et il s'est révélé sous forme de parole. Ainsi donc, la parole qui est en vous, ce sont les paroles du Fils de l'homme. Amen. Ceci est la pierre de fait, ceci est la pierre de tête. Et maintenant, le Saint-Esprit ici, c'est la pierre de fait, la pierre de tête, toute la chose, parce que c'est sa personne. C'est le Saint-Esprit lui-même. Ainsi, il ne peut pas s'établir ici parce qu'il y aurait un petit espace là, ça doit s'ajuster. Donc, Frère Branham l'a suspendu là et il a placé le Saint-Esprit ici. Ainsi, il devait vous appeler hors d'eux et faire de vous une petite pierre pour s'ajuster ici. Et alors, ça fait 31 années, puis 63, et puis alors il vous donne le ministère du Saint-Esprit de Jésus-Christ pour saisir la pierre de fait. Le comprenez-vous maintenant? Vous, Wayne Fulmer, vous deviez recevoir le ministère de Jésus-Christ pour saisir la pierre de fait et ramener les morts. Amen. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ, page 53. Joseph, lorsqu'il est né, était haï par ses frères. Je vais vous montrer que Joseph représente l'Église remplie de l'Esprit. Joseph était haï par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Avez-vous saisi cela maintenant? Joseph représente toujours l'Église remplie de l'Esprit parce que Joseph, la semence qui est en vous, complètement remplie par l'Esprit, accomplissant les œuvres du Père. Voyez-vous? Parce qu'il était spirituel. Et lorsque la dynamique frappera votre mécanique, alors vous serez haï. Pourquoi? Parce que vous serez rempli de l'Esprit avec le ministère de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, souvenez-vous que Joseph avait un manteau aux sept couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, nous y arrivons. Mais voyez-vous ici, sept couleurs, le manteau arc-en-ciel. Alors, si vous êtes Joseph Perfection, alors vous devez avoir ce manteau. Est-ce juste? Le Fils est là. Le soleil. Et les astronautes nous ont prouvé qu'il fait tout noir à l'extérieur de la Terre. Mais tout autour, il y a différents gaz qui diffusent la lumière du soleil et la répartissent en différentes couleurs. Et voilà pourquoi vous avez un ciel bleu. Le ciel n'est pas bleu, il fait noir là. Mais ça fait partie du soleil, ces couleurs qui se répartissent. Il fait noir comme dans un tunnel. Ainsi, je pense que vous êtes saturé. Je n'ai pas encore commencé. Maintenant, souvenez-vous que Joseph avait un manteau arc-en-ciel. Parlons-en rapidement. Ok, il a dit, prends ton temps. Ok, frère. Gloire au Seigneur. Ok, George, prends ton temps. Non, on n'est nulle part, de toute façon, il pleut dehors. Israël et l'Église. Gloire. À page 24. Aimé par son Père. On ne peut pas quitter cela. Son Père lui avait donné un manteau de différentes couleurs. Si vous regardez ce manteau sans couture qui représente le Saint-Esprit, saisissez maintenant. Ce manteau représente le Saint-Esprit qui couvrait son être, et aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui couvre l'Église, le manteau de plusieurs couleurs. Et il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Sept couleurs parfaites, ce sont les couleurs que nous avons qui s'unissent, formant l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance. Un arc-en-ciel, une alliance que Dieu a faite au travers d'Abraham, Isaac, Christ, au travers de l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. Le manteau, cette couleur qui était sur Joseph, était sur Jésus, et il est sur l'Église aujourd'hui. Il protège. Le corps étant couvert par le manteau. Et l'Église, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui vous couvre par le sang, et c'est juste là. Comprenez-vous cela maintenant? L'Église, c'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre. Vous êtes couvert maintenant, le diable ne peut pas vous toucher. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut avoir la taille d'un géant, mais il ne peut pas prendre votre vie, il ne peut rien vous faire. Fais ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie. Et je vais te prouver, Satan, gloire à Dieu. Amen. Qu'il est mon fils et que c'est ma fille. Il ne peut pas vous prendre. La seule manière pour vous de vous en aller, c'est si Dieu permet que vous rentriez à la maison. Alors, vous avez une maison qui vous attend. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas mourir. Vous êtes éternel. Ainsi, faites sortir l'incrédulité, gloire à Dieu. Je ne serai pas ébranlé. Je ne mourrai pas. Amen, frère Perez. Il est venu ici, il mourait. Le Saint-Esprit a vivifié cela au tabernacle. Psaume 118, frère Perez, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Et il vit aujourd'hui. Amen. Oh, hallelujah. Alléluia. Maybe seated. They are. Vous y voilà. And the church is not you. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre par le sang.
l'alliance de Dieu avant la fondation du monde. Joseph, c'était le type, l'alliance, le père qui lui a donné le manteau. Souvenez-vous, lorsque Jésus fut baptisé, nous y voilà maintenant. Il est allé directement, le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, et c'est ce que nous attendons. Et il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Le Saint-Esprit, lorsqu'il tombera sur vous, alors vous saurez, le monde saura qu'il trouve son plaisir en vous et il a envoyé le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Voilà pourquoi les gens avec le Saint-Esprit, ils sont différents. Amen. Ils pardonnent. Ils veulent plaire au Père. Et les membres d'église ne comprennent pas. Alléluia. Il n'a jamais accompli de miracle jusqu'alors, alors il est entré dans le désert pour la tentation et puis est sorti avec la puissance de Dieu pour la guérison. C'est l'Église lorsqu'elle est baptisée, revêtue du Saint-Esprit de puissance. Gloire à Dieu. Avez-vous saisi? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est ce qui couvre l'Église. Voilà l'Église, les amis. Apocalypse 4. Deuxième partie, le vêtement arc-en-ciel de Joseph représente aussi la gloire du Seigneur couvrant son Église parce qu'il est dans son Église. Voilà ce qui se passe, il est dans son Église. Hébreux 7, sept couleurs parfaites, les sept esprits de Dieu. Amen. Et là, Hébreux 7, deuxième partie, page 345, là, nous voyons que la Bible dit dans Apocalypse, au sujet des sept esprits, les sept esprits qui sont devant le trône de Dieu, l'esprit en sept parties, sept couleurs, sept âges de l'Église. Sept, c'est la perfection et Dieu était parfait en sept esprits. Ces esprits étaient parfaits. La première couleur, rouge, l'amour parfait, la rédemption. Et si nous avions le temps de parler de ces couleurs et montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu, ces couleurs, il y a sept couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Ces couleurs représentent les motifs de Dieu, l'attitude de Dieu. Ces couleurs représentent sept âges de l'Église. Sept étoiles, sept anges, oh gloire à Dieu, au travers des Écritures, sept messagers, sept messages, tout est par sept, sept jours, six jours et le septième, le sabbat, c'est parfait, complet, c'est merveilleux, si nous avions le temps d'y entrer pour en parler. La couleur rouge, premièrement la couleur est rouge. Qu'est-ce que le rouge? Rouge, un signe de danger, un signe de rédemption. Il regarde rouge au travers du rouge, qu'est-ce que c'est? Ça donne blanc, c'est correct. Ainsi, lorsque le sang rouge a été répandu pour couvrir les péchés rouges, Dieu regarde au travers du sang rouge les péchés et ils deviennent blancs. Voilà ce que je vous dis. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi, ça devient blanc. Vous entrez dans votre chambre, gloire. Voici, le croyant ne peut pas pécher. Certainement pas. Vous ne pouvez pas pécher, le croyant ne peut pas. La semence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent sur lui. Et ils se fâchent, ils vous maudissent, et ceci va vous arriver, et tout. Mais la bénédiction de Dieu demeure sur lui. Je pensais m'en débarrasser la semaine passée, et voici qu'il revient cette semaine. La bénédiction de Dieu demeure sur lui. Le diable a essayé de tuer Frère Jim Raglan. Il était entré, et puis il est sorti le lendemain. La bénédiction de Dieu demeure sur lui. Ayez toujours cela à la pensée que la bénédiction de Dieu est avec vous. Peu importe ce qu'il y a dans son Église, ce que c'est, Dieu ne le voit pas. Pourquoi? Parce que Jésus fait constamment l'intercession, le souverain sacrificateur pour vous et moi. En aucune manière il ne peut pécher avec un tel sacrifice posé là pour lui. Certainement pas.
Maintenant, si vous dites, ça me donne l'occasion, d'autre mode, de sortir, de faire tout ce que je veux, ma frère Branham a dit, ça montre tout simplement que vous n'êtes pas en ordre. Parce que vous ne voulez pas faire cela. Parce que vous êtes changé. Nous serons changés. Vous avez été changé. Vas-y, voilà, cet âge de l'Église, étoiles, lampes, yeux, les anges, les voix, les mystères, tout en sept, les tonnerres. Ça pourrait aussi représenter les sept vertus. Messieurs, est-ce l'heure? La page 47. Nous sommes peut-être plus proches que nous ne le pensons. Cela m'a effrayé. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Se pourrait-il? Frère, pensez-y sérieusement si c'est le cas. Alors, la pyramide est couronnée, coiffée par les sept tonnerres. Souvenez-vous. Maintenant, où était le message de Frère Branham? Est-ce que c'était dans la Odyssée? Regardez le tableau. Où était-ce là-haut, dans le Saint-Esprit? Ce qui est la pierre de fête. Ce qui est la pierre de tête. N'est-ce pas vrai? Bien. Alors la pyramide est coiffée. Pensez-y sérieusement si c'est le cas. Alors la pyramide est coiffée par les sept tonnerres. Et au sommet, c'est l'amour. Vous le voyez? Souvenez-vous du message de la pyramide? Il fait référence à la statue de l'homme parfait. C'est la pierre de fête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu. Et vous l'avez entendu, je pense que c'était mercredi passé ou mercredi d'avant. Et il le scelle lorsque nous avons ajouté à notre foi la justice de Dieu, la piété, la foi, etc. Nous avons continué d'ajouter jusqu'à ce que nous ayons sept choses. Maintenant, regardez. Ici, c'est un petit truc là. Et la septième, c'est l'amour qui est Dieu. À votre foi, ajoutez sept choses. Et la septième, c'était l'amour. Et la foi, ça en fait huit. Ainsi, nous sommes parfaitement dans l'ordre d'ajouter la charité. Il n'y a rien qui n'aille pas. Ajouter la charité, bien sûr. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit la faire descendre et l'amener dans l'église. Continuer d'ajouter. La septième, c'était l'amour, ce qui est Dieu. Voilà ce qu'il a dit. La septième, depuis la foi, l'amour. C'est Dieu. C'est ainsi qu'il forme l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Et c'est là, juste. Alors, si c'est ainsi, il a sept âges de l'Église où il a eu sept mystères qui ont retenti et ils ont combattu pour les ramener. Et maintenant, la pierre de fête vient pour coiffer l'Église. Est-ce que les tonnerres signifient cela, mes frères? Messieurs, est-ce que c'est là où nous sommes? Voilà là, je vais vous dire que les tonnerres sont sur le point de faire entendre leur voix et couronner l'Église. Frère Branham lui-même a dit d'en croire du cœur. Petit poisson, il a dit, il ne pouvait pas faire autre chose, il y avait ces voix qui retentissaient. Oh là là, vous parlez d'un changement. Frère, vous n'allez pas rester assis comme ça. Non, pas ici. Frère, c'est cette voix de tonnerre. Vous ne pourrez pas rester assis. Il y en a qui vont commencer à courir autour du bâtiment, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va vous faire tomber avant que vous arriviez là. Oh là là. Ainsi, nous y voilà. Maintenant, la pierre de fête vient pour coiffer la pyramide, l'église. Est-ce que les tonnerres signifient ça, mes frères? Cet esprit
formant Dieu. Perfection. La perfection. Dans questions et réponses maintenant, les amis, comment revenons-nous à la perfection? Dans questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, page 432. La lumière éternelle n'a pas de fin, la vie éternelle n'a pas de fin parce qu'elle n'est jamais née, elle n'a pas de commencement, pas de commencement de jour et pas de fin de temps. Maintenant, la seule manière où nous puissions vivre éternellement, c'est en recevant quelque chose qui est éternel. Ce que Dieu était avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'était Dieu, il était Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Imaginez ce Dieu en vous. Même sous forme de semence. Et Dieu, c'était ce grand esprit. Nous l'illustrons comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc couvrirait la terre. S'il ne touchait pas la terre, ce serait un cercle, si ce n'était à cause de la courbure de la terre. Maintenant, comme Dieu est éternel, il était le parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. Les amis, regardez, nous ne voyons que la moitié de l'arc-en-ciel. Est-ce correct? Mais qu'en est-il de l'autre partie? L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Frère, parlez, nous allons rester l'éternité avec lui. Il va nous montrer l'autre partie de l'arc-en-ciel. Gloire à Dieu. C'est cet esprit formant Dieu. C'est cet esprit formant Dieu. La perfection. Tout le reste en dehors de cela, c'est quelque chose qui a été perverti. Maintenant, voici ce qui répond à la question. La seule manière où nous puissions revenir à la perfection, c'est de revenir avec cette perfection-là, qui est là, qui vient de Dieu. Alors que le rouge est sorti de cette lumière, et puis les sept couleurs. C'est revenir avec cette perfection qui est Dieu. Alors nous arrivons à la perfection, alors nous avons la vie éternelle sans fin. C'est simplement pour toujours la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. Croyez-vous cela? Ainsi, Église, est-ce que c'est ce que signifie Joseph perfection? Joseph signifie la perfection, la parole père de fête. Maintenant, placez cette semence, Joseph, perfection, cette parole, Christ, les sept tonnerres, les sept sceaux dans la bonne terre, dans ce temps de l'épouse, et voyez ce qui se passe en sa saison, au temps de la moisson et au temps fixé. Sarah, je te visiterai certainement. Pas sous une peau humaine comme je l'ai fait avec Abraham auparavant, mais cette fois-ci, quand je reviendrai dans la puissance de la dynamique pour changer ton corps et faire de toi une jeune femme, un jeune homme, et tu auras ce fils. Maintenant, il se prépare à venir au temps fixé. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes-vous débarrassé de toutes vos rancœurs? Est-ce que vous avez l'affection fraternelle envers tout le monde? Il doit y avoir une manifestation de Joseph Perfection, la parole pierre de fête. Sinon, nous ne partirons pas dans la résurrection, dans l'enlèvement. Joseph Perfection représente la pierre de fête. J'ai déjà parlé de cela. Ok. Comprenez-vous, Église? Je me prépare à terminer bientôt. Merci Seigneur, je suis arrivé jusque-là. Mais je veux vous donner le ton là pour la saison. Comprenez-vous, Église? Recevez la révélation de Joseph Perfection, la pierre de fête, pierre de tête, le Saint-Esprit lui-même. Le baptême du Saint-Esprit a fait un chemin pour le Saint-Esprit lui-même, arrivant directement dans la perfection et de retour à la parole pour se manifester.
La naissance a fait un chemin pour le Saint-Esprit au travers du prophète pour qu'il revienne et se manifester et de retour à la parole. Le prophète a amené la parole. Je n'ai pas le temps d'y entrer, mais dans l'Ancien Testament, la fondation, c'était les quatre patriarches. Nous en avons parlé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et puis ensuite, le corps parole qui vient au sommet de cette fondation, c'était les prophètes. Est-ce correct? Ensuite, le dernier prophète, Jean, qui a introduit le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce correct? Et là, il a introduit la pierre de fête. Gloire à Dieu. Et la même chose doit revenir à nouveau. Amen. C'était l'épouse primitive, et les Éphésiens, c'était la fondation. Et aucun homme ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Éphésiens 2, 20. Le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Paul dit bien sûr que les prophètes remontent jusqu'à Moïse. Ainsi, Éphésiens 2, 20 remonte jusqu'à la Genèse. Amen. You see? Voyez-vous, now, on the chart there, dans le tableau, sur le tableau là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas saisi. Si vous regardez la statue de l'homme parfait, nous formons maintenant la pierre de fête, la quatrième ligne pour arriver à la perfection. Numéro 2, vous êtes Joseph Perfection, la partie du sommet de la fondation. La fondation est ici, maintenant. Maintenant, une chose qui est étrange. J'allais le répartir, mais il a dit non. Nous allons voir toute la chose, mais la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, Paul, Irénée, Martin, Colomba, c'était la semence. Et ensuite, Frère Branham a dit, dans l'adoption, qu'ils arrivaient quelque part, voyez-vous. Que l'épouse primitive, Paul, et puis Paul est venu là à la fin de l'âge d'Éphèse. C'est pourquoi, je veux dire qu'il a commencé l'âge d'Éphèse plutôt, et puis Irénée est venu à la fin. Ainsi donc, cela monte, et puis Dieu a fait quelque chose d'autre. Ils sont entrés en terre, ainsi Dieu a dû construire une autre fondation. Et c'était Luther, qui représente Abraham. La foi. Le juste vivra par la foi. Et un autre, parce qu'ils sont entrés en terre. Ainsi, il a placé à l'autre la foi, Luther. Puis Wesley. Une feuille. La tige. Et Wesley représentait Isaac. Ensuite, les pentecôtistes représentant Jacob. Jacob, la grâce. Mais l'épouse est où? Au sommet de la fondation. Le voyez-vous? La seule manière où vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, c'est de comprendre ce à quoi vous vous attendez. Et c'est mon fardeau aujourd'hui, c'est que vous voyez cette deuxième fondation que Dieu a placée ici. Et alors nous montons là, et là, Dieu, il avait cette fondation là-bas, Jacob, grâce, Joseph, perfection. Le prophète est parti. En décembre 65, le cri du roi. Le 9 septembre, l'affection fraternelle. Identifiez l'âge où vous vous trouvez. Amen, le 9 juin. Et le 20 septembre, maintenant vient quoi? Le corps parole. Les sept tonnerres sont les sept voix des sept âges de l'Église. Voici le corps parole. La structure, voici la fondation, et là se trouve la structure du corps au sommet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est introduire la pierre de fête. Et Malachi 4
a introduit le Messie et il a aussi restauré la foi et il a ouvert tous les mystères. Vous avez saisi? Eh bien, gloire à Dieu. Je peux rentrer à la maison maintenant. Je voulais que vous voyez cette deuxième fondation qu'il a glissée là parce que la semence est entrée en terre. Vous avez compris maintenant? Et Martin Luther était un prêtre et Dieu lui a révélé que le juste vivra par la foi. Il a dit que Dieu me vienne en aide, je ne peux rien faire d'autre, me voici. Lorsque Dieu vous le révèle, vous ne pouvez rien faire d'autre. Non, en aucune manière. S'il dit Jacob Rat, Joseph Perfection, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ou les sept tonnerres, vous dites ce que c'est. Vous devez prêcher ça. Que ce soit père, mère, qui que ce soit, que tous s'en aillent. S'ils doivent, qu'ils partent. Mais vous devez vous tenir là, gloire à Dieu, et le prêcher. Et le croire. Et être un exemple devant les gens. Gloire à Dieu. Pas avec des hauts et des bas, mais se tenir debout comme un soldat. Je suis un soldat dans l'armée de l'Éternel. Et je n'ai pas peur de mourir dans l'armée du Seigneur. Où sont les soldats? Où sont les fils de Dieu? Où sont les fils nés, remplis, qui vont sortir là dans cet arc-en-ciel et s'efforcer d'être adoptés avant que les fléaux qui sont déjà là et être placés positionnellement là? Oui, monsieur. Eh bien, le message atteint son but. Gloire à Dieu. Je suis si heureux. Maintenant, vous avez compris? Vous savez qui vous êtes? Vous êtes au sommet de la fondation. Vous n'êtes pas dans l'Odyssée. Alors, où êtes-vous? Et vous n'êtes pas Jésus-Christ, l'amour. Mais vous êtes dans l'arc-en-ciel. Ce qui est Jésus-Christ. Vous êtes des épîtres écrites. Et il sera en vous. Et vous aurez son ministère. Sa vie. Ses signes. Ses prodiges. Ses miracles. Ce sera lui, Madame Jésus-Christ, le Christ terrestre. Ceci sera le Christ terrestre et il est le Christ céleste. Bon après-midi, Madame Jésus-Christ, comment allez-vous? Est-ce que vous continuez de croire? Est-ce que vous continuez à presser le pas? Laissez tomber les choses dans votre cœur? Vous avez l'affection fraternelle? Est-ce que vous vous préparez à pousser un grand cri? Oh, frère Paul a prêché dans la Pâque, la plus grande Pâque que le monde ait jamais vue, se prépare à arriver. Nous allons passer au-dessus de la période de tribulation. Ce sera une Pâque. Quand nous irons tous au ciel, quel temps glorieux ce sera! Oh, t'inquiète pas, Joe, je chante la mauvaise parole. Gloire à Dieu! Quand nous irons tous au ciel, pensez au ciel. Des kilomètres jusqu'à Adam et Ève. Amen. Et nous serons à la même table. Alléluia! Amen, frère! Pensez à ça. Glory. Okay. 1 Peter 1, maybe seated. 1 Pierre 1, 1 à 5. Vous êtes des pierres vivantes, vivifiées. Vous pouvez lire cela après. Si vous savez où vous êtes, Saint-Esprit lui-même, entre l'amour et l'Odyssée, et je termine, entre les deux, c'est l'âge de l'épouse,
Joseph Perfection, la partie sommet de la fondation. Je viens de vous le montrer. Lorsque la semence est entrée en terre, il n'y avait rien. 1500 ans d'âge des ténèbres et tout à coup un prêtre à qui il fut révélé un juste vivra par la foi. Et la fondation est arrivée, Abraham, par la foi. Les Wesley, les pentecôtistes, et puis un prophète à la fin de l'âge de l'affection fraternelle. En 1974, l'âge devait être identifié. 1998, à nouveau à Pâques, il devait être identifié. Et maintenant, nous sommes prêts. Oh, amen, brother Nat. Amen, frère Nat. Don't you worry, brother Nathaniel Goico. Ne t'inquiète pas, frère Nathanael Goico. Le Dieu qui t'a créé, gloire à Dieu. Ce Dieu n'oubliera pas ta foi et ta position dans ton épreuve. Il t'a fait un don. Ce don sera utilisé. Souviens-toi simplement, tu es le Fils de Dieu. Dieu peut faire toute chose. Celui qui est en toi est plus grand, frère Nat. Gloire à Dieu, hallelujah. Et vous tous, ne laissez pas le diable vous arrêter. Joanne, Dieu est avec toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel démon peut t'arrêter? Alléluia! Dieu vous a appelé à sortir. Alléluia! Oh, I don't know. Yes, sir. The stones that fit around that headstone. Les pierres qui s'ajustent autour de cette pierre de fer doivent être si parfaites au point de s'ajuster parfaitement. Il doit y avoir une manifestation des fils de Dieu. Je n'ai plus le temps de le lire. Ce sera Christ dans son église. La pyramide sera si parfaite. Et qu'est-ce que ce ministère va identifier? La venue du Seigneur. Le cri est déjà venu, qui a identifié la voix de l'archange, le puissant Michael, combattant pour les racheter, combattant pour votre famille. Alléluia. Vous avez prié pour votre famille. Vous avez prié pour votre famille comme Abraham. Il a intercédé, il a intercédé, il a intercédé. Alléluia. Et alors, Dieu lui-même est descendu et il a fait sortir Lot. Et la Bible dit, dans Genèse 19, que Dieu s'est souvenu des prières d'Abraham. Dieu se souviendra de vos prières. Mais priez premièrement. N'attendez pas qu'il descende. Faites-le maintenant. Seigneur, mon mari, ma fille, mes enfants, faites-le maintenant. Maintenant, parce que Dieu est sur le point de déchirer les cieux. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. J'allais lire encore une citation. C'est pas nécessaire. Le message a touché le but. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Ce ministère va identifier la vie de Jésus-Christ, Saint Jean 14:12, identifiant la venue du Seigneur, le cri, la voix, la trompette. Le voyez-vous maintenant, où vous êtes église? Nous sommes dans ce petit espace, juste là, en dessous de l'amour, la pierre de tête appelée le Saint-Esprit. Et là, sur le tableau, ce qui est la pierre de fête, entre Laodicée et l'amour. L'arc-en-ciel, le vêtement arc-en-ciel de Joseph, adopté après avoir été taillé de la foi à la charité. Ce petit espace appelé le Saint-Esprit représente l'épouse étant taillée de Pierre 1, de 4 à 8, où la pierre de fête pourra
être saisi pour amener les morts en Christ. Vous ne savez pas l'ampleur de ce dont nous parlons, frère. Ce n'est pas simplement venir à l'église et rentrer à la maison, non. Quelque chose est arrivé la semaine passée. Alléluia! Le Saint-Esprit entre Laodicée et la pierre de fête. C'est la parole, épouse, Joseph, perfection, des pierres qui s'ajustent dans, avec la pierre de fête, le reflet de Jésus-Christ sur la terre. Un homme parfait. Jésus, Joseph, perfection, manifesté est le reflet de Jésus-Christ. Christ, placé lui-même comme la coiffe sur la pyramide. Les amis, nous avons quitté Laodicée. Laodicée est partie, finie. Nous sommes partis. Nous n'avons rien à voir avec eux. Dieu est venu souper avec nous. Il a laissé les pauvres aveugles, misérables. Il nous a placés là dans l'arc-en-ciel, dans ce petit espace. Appelez le Saint-Esprit parfait en soi, attendant que la dynamique touche votre mécanique. Bien, je termine avec cette citation. Vous pouvez vous asseoir. Le signe du temps, New York. Prêché à New York, dans l'auditorium Marc. Et maintenant, à la page 16, nous avons quitté l'âge pentecôtiste. L'avons-nous quitté? Il l'a dit. Vous le croyez maintenant? Je l'ai dit. Maintenant, je vous fais savoir que le prophète l'a dit. Nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Maintenant, nous arrivons là, comme dans la pyramide. Ce n'est pas une doctrine de la pyramide maintenant. Je veux dire, écoutez, je comprends. Un frère m'a dit, cette grande soirée qu'ils étaient censés avoir en 1900, avec l'élite du monde, ils sont censés placer une pierre de fête d'or sur la pyramide en décembre 1999. Eh bien, alléluia! Ils ont censé placer une pierre de fête d'or sur l'épouse, sur cette pyramide-là, sur cette pyramide. Croyez-vous cela? Qu'il en soit ainsi. Ok, les amis, pas une doctrine de la pyramide. La pierre de fête, ça doit être taillé. Il doit y avoir un ministère, et voici à nouveau, sans cesse, dans l'église, la véritable église. Lorsque la pierre de fête descendra, Christ, ou le ministère de Christ et Christ, voyez-vous, le ministère de Christ et Christ s'ajusteront parfaitement ensemble. Alors cela ramènera les rachetés pour emmener toute la maison de Dieu dans la gloire. Méthodistes, baptistes, presbytériens, jusqu'au le grand âge de la réforme où ils ont donné leur vie, persécution et tout pour le royaume de Dieu. Mais cette pierre vient, oui monsieur, elle viendra certainement. Dieu l'enverra et s'ajustera avec tout le bâtiment. Maintenant, nous voyons ces signes. Le ministère de Christ commençant à devenir de plus en plus étroit jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Et nous voyons que William Branham avait le ministère de Jésus-Christ, un exemple pour nous. Un ministère qui nous a donné la parole pour que nous arrivions à la même chose. Maintenant, nous sommes prêts. À partir d'aujourd'hui, je termine ici. Je viens de vous prêcher aujourd'hui ces marches qui doivent venir. Chacun, ils ont eu leur mécanique et dynamique, mais nous n'avons pas eu la nôtre. Et ça, c'est la dernière marche. Maintenant, cette dernière grande marche, étape, c'est d'arriver à la perfection où le Saint-Esprit, voyez là le Saint-Esprit, doit vivre dans cette Église si parfaitement au point d'unir le corps et la tête ensemble. C'est le corps, il est la tête dans le corps. Maintenant, nous voyons qu'il a promis dans ces derniers jours
que cela s'accomplirait. Eh bien, vous y voilà. Gloire à Dieu. Amen. Voilà quelque chose que quelqu'un m'a transmis. Je sais où j'en suis. Je sais exactement ce que je suis en train de faire. Qu'en est-il de vous aujourd'hui, Église? Après cette retraite glorieuse où l'amour est descendu et l'affection fraternelle et le pardon pour faire sortir tout le mal, croyez-vous que nous sommes finalement ici? Combien le croient? Bien, bien. Que faisons-nous? Nous changeons à la gloire de Joseph Perfection depuis la gloire de Jacob Grâce. Toutes ces choses que nous avons fait en partie pendant toutes ces années, maintenant, lorsque ce qui est parfait est arrivé, la parole, et nous sommes arrivés à la parole, Joseph Perfection, la pierre de fait. Amen. Et lorsque la dynamique vous touchera, vous serez ajusté dans ce petit espace appelé le Saint-Esprit. Je viens de vous le prouver aujourd'hui par la parole, là où vous vous tenez. Si c'est ainsi, alors, Joseph Perfection, libère le Saint-Esprit lui-même. Luther a libéré la dynamique de la justification. Wesley a libéré la dynamique de la sanctification. Les pentecôtistes ont libéré la dynamique des pentecôtistes. Alors, qu'est-ce que nous allons libérer? Le ministère de Christ? Pourquoi? Pour la manifestation de Joseph Perfection, la parole pierre de fait. Parce que ceci est le temps de fusion dans l'espace du Saint-Esprit. Et nous sommes là, et Dieu va descendre pour fusionner avec nous, tout mélanger, tout malaxé, comme un gâteau, vous voyez, les sœurs qui mettent tous les ingrédients, la farine, les œufs, le beurre, tout ce qu'elles veulent y mettre, et elles doivent mélanger tout ça ensemble. Et j'aime bien prendre mon doigt là et... C'est même pas encore cuit. Oui, c'est même pas encore cuit maintenant. Mais c'est ce que je fais depuis 30 ans. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Amen, frère Bill. Mon Dieu. Et quand c'est dans le four, oh, on entre dans la maison. Alléluia. My God. Et que vous sentez ça? Comment tu vas, chérie? Que Dieu te bénisse, chérie. Gloire à Dieu. Je sais que tu as travaillé dur aujourd'hui. Je t'aime, chérie. Gloire à Dieu. Vous sentez le gâteau, n'est-ce pas? Eh bien, gloire à Dieu. Vous pouvez le sentir presque aujourd'hui. C'est là. Amen. Parce que Christ fusionne avec votre mécanique, formant Jésus, le reflet de Jésus sur la terre à nouveau. Je dis que nous sommes là, Joseph Perfection, le réveil des sept tonnerres. Ce réveil des sept tonnerres viendra du livre de vie de la rédemption de l'agneau. Numéro 1, la parole faite chair. Ce que Dieu fait au travers de nous, Saint Jean 14, 12. Numéro 2, la révélation des sept tonnerres est la révélation de la vie. Numéro 3, votre vie dans le livre de vie de l'agneau, les sept vertus manifestées. La pyramide,
2 Pierre 1, 4 à 7, sortant du, venant du livre de vie de l'agneau, et amener l'épouse Oméga comme l'église Alpha à manifester la vie de Christ, avec le même esprit, les signes, les prodiges. De même, le ministère de Christ sera en vous, criant grâce, grâce à la pierre de fête. Ainsi, juste là, les amis, dans ces derniers jours, la révélation des sept tonnerres, c'est la révélation de la vie, comprenez-vous? La révélation des sept tonnerres pendant toutes ces années, pourquoi a-t-elle crié? Crié pour cette vie de 2 Pierre 1, de 4 à 7. Je dois avoir cette vie. Je le prêche, j'essaie de le vivre. Mais Seigneur, je dois l'avoir. C'est dans mon âme. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Donne-moi cette vie. Je veux être adopté et vivre cette vie de 2 Pierre 1, 4 à 7 pour être adopté et placé positionnellement comme fils et filles de Dieu. Et le réveil des sept tonnerres est dans la douceur, cette voix de tonnerre retentissant en humilité. Saint Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez. Amenant un autre acte 2, acte 10, alors que Pierre prononçait ces paroles sur les gens comme Corneille qui avait soif, priant, un mémorial étant formé dans le ciel pour ses prières. Alléluia. Où est ce groupe? Pierre s'est avancé. Ils attendaient quelque chose. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sommes-nous là? Est-ce que ce temps-là est ici maintenant? Je dis que oui. Hallelujah. Hallelujah. My God, my God. Amen. Avez-vous entendu le message suivi par la révélation du message des sept sceaux, des sept tonnerres? Ne soyez pas nerveux. Amen. Ne vous sentez pas sous une conviction, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit, etc. Et comme Pierre qui était rétrograde, et 50 jours plus tard, il était dans une condition pour l'enlèvement. Quelle déclaration! Ainsi, pourquoi être déprimé? Est-ce que vous avez été comme Pierre? Renier Dieu en face de lui et pousser Jésus et lui dire quoi faire et tout? Vous voyez? Mais il avait été appelé. Et vous êtes appelé. Ne laissez pas le diable vous dire que vous n'êtes pas appelé. Mon Dieu. Ça a fait fuir 50 millions de démons. Jonathan, et que dire de Job? Dieu a laissé Job avoir ses épreuves. Pourquoi? Parce qu'il aimait Job. Il avait confiance en Job. Et il savait. Ainsi, s'il vous donne des épreuves, il vous aime. Voilà pourquoi il vous les donne. C'est parce qu'il a confiance en vous. Il sait que vous ne pouvez pas faillir. Vous allez vous tenir comme Job. Et un jour, le tonnerre va rugir, les éclairs vont illuminer et vous allez crier, je suis délivré de mon épreuve, Joab. Je sais que mon rédempteur est vivant. Voilà pourquoi il vous donne les épreuves. Parce qu'il vous aime. Amen. Elles sont nombreuses, les afflictions des justes. Mais écoute, Satan, mais Dieu nous en délivre de toutes. J'ai dit toutes. Chacune d'entre elles. Alléluia.
alors que le Saint-Esprit circule ici et qu'il vous dise que Dieu vous délivre de tout. Jacob, Dieu te délivrera de cette grande épreuve dans laquelle tu te trouves maintenant. Gloire à Dieu! Voici un songe qui vient de m'être transmis de Sœur Laura Colida. Elle a eu un songe tôt ce matin. J'ai eu un songe ce matin, nous étions à la réunion. Frère Coleman prêchait. Il a dit la perfection, la perfection. Il continuait de dire, envoie le feu, envoie le feu. La puissance de Dieu est descendue. Nous étions dans le même accord. C'est tout ce qu'elle s'est souvenu. Mais c'est ce que j'ai prêché. Le Seigneur m'a demandé que frère Stephen chante cela. Et frère Stephen, reviens ici. On va le rechanter. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, envoie le feu. All right. I got a quote I want to read before he comes up here. Une citation à lire avant qu'il vienne. Put your hands on one another. Mettez-vous, placez les mains les uns sur les autres. Et courbons la tête. Gloire à Dieu. Une prière ici. Amen. It was a message. Dans un message. À ta parole, Seigneur, New York. 1951. Ô Dieu éternel, que cette réunion soit plus qu'une réunion de guérison, que ce soit une guérison pour le corps de Christ, nous amenant au même endroit, Christ Jésus, une grande manifestation du Saint-Esprit qui puisse sortir d'ici, conférant les fils de Dieu, inspirant leur vie au point où une telle réunion arrive à New York. Ici, faisant que cette grande ville soit secouée sous la puissance du Saint-Esprit et que l'impact qui tombe ici, accorde-le. Seigneur, nous savons que tout concourt bien de ceux qui t'aiment. Maintenant, ô Seigneur, Dieu du ciel, comme Élie a imploré la miséricorde, de même, je l'implore ce soir et ensemble, entends-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, une réunion de mémorial ce soir. Et je dis aujourd'hui, accorde-le, Seigneur, une réunion dont nous souviendrons longtemps parce que le Saint-Esprit béni sera descendu au milieu de nous, confirmant la présence de Jésus-Christ, en parlant les secrets des cœurs, guérissant les malades, les aveugles, qu'il y ait une telle joie parmi les gens. Je sais que les rues seront remplies de monde comme au jour de la Pentecôte, chacun avec les clochettes de joie dans leur cœur, le Saint-Esprit les entourant, et sortant avec une nouvelle vision, cette dernière grande marche dans l'arc-en-ciel, comme ils ne l'ont jamais eu auparavant, accorde le Seigneur. Seigneur Jésus, car nous le demandons en ton nom et pour ta gloire. Envoie le feu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Frère, c'est le temps de pousser des cris maintenant. Yes, sir. Come on, brother Stephen. Allons, frère Stephen. Go ahead, brother. Vas-y, frère. I am covered, covered, covered by his blood. And I am, oh, I am. Covered by him, oh, Jesus has rescued. Say it once again, oh, I am covered, covered, covered by him, oh, I am, and I am, glory, oh, I am covered, covered, covered by him, oh, Jesus has rescued me.
feeling in the air that God is everywhere, and his resurrection power, it is moving in this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling, oh, there's a feeling in the air that God is everywhere, and his resurrection power, it is, oh, that Jesus might be glorified. And I will glorify the name of the Lord. Oh, I will glorify his name, for his resurrection power, it is. Rejoice a little bit. It's okay, you want to shout? You can shout. Power, it is all because glorified, and I will glorify. Oh, I will glorify his name. Oh, his resurrection power, it is. Be glorified. Oh, come on, one more time, rejoice in him. It's all over me, and it's keeping me alive. He is keeping me alive. Oh, he is keeping me alive. It is all over me, oh, and it's keeping me alive. What is it? Jesus is keeping me alive. See, it's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me, hallelujah, keeping me alive. It is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. It's been keeping me. Yes, it has. Oh, Jesus is keeping me alive. It is all over me, and it's keeping me alive. Yes, he is. He's keeping. I don't care what the doctor says. Keeping me alive. Oh, he is all over me, and he's keeping me alive. See that Jesus is keeping me alive. It's coming down, down, down. It's coming down, down. See the Spirit of the Lord is coming down. When these saints begin to pray, then the Lord will have his way, and the Spirit of the Lord is, final time, oh, it's coming down, down. Yes, it is. Yes, 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 it is. The Spirit of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, when they recognize, when they know who they are, glory, it's got to come down. Come on, musicians. I got a shout after that message today. Will have its way, and the Spirit, final time, well, it's coming down, 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 it's coming down. Spirit of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, then the Lord will have his way,
and the Spirit of the Lord is coming down.